Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Domaine Maison. Je suis ravie de vous accueillir pour voir ensemble quelles sont les trois pistes de réflexion décorative afin de créer une jolie fête en cette fin d'année. En cette année compliquée, il est nécessaire plus que jamais de se rassembler tous ensemble. Aussi, est-ce que vous avez envie de créer une bulle magique et sécurisante pour vous et les vôtres ? Est-ce que vous avez envie de créer une parenthèse enchantée pour se ressourcer au cœur de cet hiver? Eh bien, je vous invite donc à découvrir ensemble quelles sont les trois pistes qui vont vous aider à créer une ambiance dont vous vous rappellerez pour très longtemps. Voici donc les trois pistes. Miser sur la tendance comfort déco. Elle renvoie à des aménagements intérieurs et à des choix décoratifs qui font du bien. C'est une nouvelle tendance, affranchie des tendances. Aménagez et décorez votre intérieur de façon à vous faire du bien. Nourrir son âme, privilégier ses sentiments et ses sensations, plutôt qu'agir sur l'esthétique. Mettez en place ce qui vous inspire afin de vous sentir mieux. Priorisez de la lumière chaude avec des sources à multiplier, comme des bougies, des guirlandes d'étoiles, du LED blanc chaud, des lampes d'appoint, avec des matières colorées. Mettez aussi des matières moelleuses et douces, des coussins en velours, un plaid en laine mohair douce et moelleuse, et des tapis. Vous pouvez aussi choisir des éléments de décor qui rappellent l'enfance, votre grand-mère, dans un esprit brocante, avec des verres anciens et dépareillés, et des assiettes aussi anciennes. Côté couleur, choisissez-les plutôt chaude et sécurisante. Les bruns, les beiges colorés, avec une touche de terracotta, d'oranger ou d'ocre jaune, sont tout à fait adaptés. Bref, osez la décoration au feeling, un peu brouillon ou un peu kitsch, c'est bon pour cette tendance comfort déco. Deuxième piste, des fêtes en nature et éco-responsable. C'est une tendance forte, accentuée cette année. Et elle va exister dans le temps. Et pourquoi pas l'inclure dans une thématique classique en rouge et en vert avec une touche de doré. On a envie d'authenticité, de fait main, de fait maison, de mettre en avant sa créativité personnelle pour ses fêtes. Également mieux consommer, réduire ses déchets, recycler, donner une seconde vie à ce que vous avez. Pensez au feuillage fougère qui va être la vedette, également à des notions de décoration en bois, en papier, comme des grandes étoiles de Noël, des petits sapins ou bien des décors de table. Pensez également à la pâte à sel ou à faire des petits sablés. Les matériaux au charme naturel visent l'essentiel. Alors vous pouvez faire aussi des guirlandes faites maison, en piquant par exemple des feuillages sur un fil de métal. Si vous choisissez de ne pas avoir de sapin, aménagez un coin du salon avec une lumière élevante, une belle plante verte, un bouquet d'eucalyptus ou des branches de houx sur lequel vous pourrez ajouter quelques boules de Noël. Côté couleurs, jouez toujours les couleurs chaudes avec des bruns et des beiges ponctués de vert et une touche de doré pour la magie. Pour la table, utilisez des textiles anciens, des sets de table en ardoise ou en matière naturelle par exemple. Récupérez de la vaisselle que vous pouvez redécorer pour y poser des bougies et créer ainsi un joli centre de table. Pensez aussi à mettre des teintes minérales ou de la déco verte. Et en troisième piste, je vous propose de partir en voyage avec le thème bohème gypsy. Oui, mettez des motifs variés, un esprit patchwork, de la lumière, des paillettes, du festif. Le thème bohème est une piste joyeuse pour ces fêtes. Choisissez des coloris toniques et joyeux, les roses, des turquoises, des mauves ou des orangés, et puis une décoration plus clinquante et plus brillante. Des boules de bois peintes, des accessoires en tissu avec des motifs gypsy, et des coussins brodés seront sympathiques pour décorer votre salon. Également, une gamme de bougies colorées en très grand nombre
vous amènera du peps et la joie de vivre. Oui, le style bohème s'adapte parfaitement pour des fêtes décalées et amusantes. Profitez-en. Eh bien, je vous souhaite de bien vous amuser avec toutes ces idées, d'agir avec votre créativité et de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans la joie, la confiance et le partage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo.